Merlin, le petit chien magique, avec vous il va jouer. Comme il porte un collier magique, son vœu va se réaliser. Bonjour, monsieur Legrand, je ne pensais vraiment pas vous trouver en train de pêcher. Dit monsieur Moreau en claquant des dents. Voyons, il ne fait pas aussi froid que ça. Et puis, ça donne un peu de couleur. Eh bien, moi, je regrette, mais je gèle. Et le bassin qu'on a dans notre jardin est gelé. Il ressemble à une patinoire. Je me souviens d'une année où il y avait eu une vague de froid inhabituelle. J'étais en mer à l'époque, et le froid fut tellement intense que des morceaux de glace étaient accrochés au bateau. Oh, oui, c'est sûr qu'il devait faire froid. Et ça empira, ajoute Monsieur Legrand. À tel point que la mer finit par geler. C'est très rare, mais je l'ai vu de mes yeux. Waouh ! Fait Merlin impressionné. Le bateau pris par la glace dut s'arrêter. Qu'est-ce que vous avez fait ? Oh, nous avons tous chaussé nos patins à glace. Nous sommes passés par-dessus bord et nous avons patiné autour du bateau. Oh, tout compte fait, vous avez dû vous amuser, dit Monsieur Moreau en riant. Je n'ai jamais fait de patins à glace. Je me demande si ça me plairait. Oh, je crois que ça vient de mordre. Oh, par exemple, j'ai dû prendre une baleine. Une baleine, et puis quoi encore? Bon, c'est une manière de parler. Ce qui est sûr, c'est que ça pèse au moins une tonne. Oh. Vous avez raison. Il doit faire un petit peu plus froid que je ne crois. J'adorerais qu'il neige, se dit Merlin. Et qu'il fasse assez froid pour qu'il gèle et pour que j'aille faire du patin. L'ennui, c'est qu'il n'a pas l'air de vouloir neiger. Bonjour, Merlin. Dit Mademoiselle Roseau. Je ne m'attendais pas à te voir te promener par un froid pareil. Bonjour. Répond Merlin joyeusement. Qui est-ce? C'est Kiwi, ma petite chienne. Dis bonjour, Kiwi. Merlin est très impressionné par la petite chienne. Waouh! Tu as vraiment une robe magnifique. Ah, merci, répondit-elle. Toi, tu as un très beau collier. Bon, maintenant, nous allons continuer notre chemin. Il fait un peu trop froid pour rester à parler sans bouger. À bientôt, Merlin. À très bientôt, j'espère, ajoute Kiwi. Je ne savais pas qu'il y avait un autre chien ici. Ah, c'est bien, comme ça j'aurai quelqu'un avec qui jouer. Oh, merci beaucoup, tu es vraiment adorable. Merci encore. Merlin pense tout à coup à son collier magique et ça lui donne une idée. Je veux aller faire du patin à glace et je veux revoir Kiwi très vite. Est-ce que mon collier magique va exaucer mon souhait? Fais qu'il gèle pour que je puisse faire du patin à glace avec Kiwi. Il faut que je cours après ma queue. Je veux aller faire du patin à glace avec Kiwi. Mais il ne se produit rien de magique. Oh, si seulement il gelait pour que j'aille faire du patin avec Kiwi. Il suffit que Merlin prononce les mots magiques. Waouh! Mon collier magique m'a exaucé. C'est merveilleux. C'est la première fois que Merlin voit de la neige et de la glace.
qu'est-ce que ça glisse? Je n'arriverai jamais à bouger sur la glace. Bonjour, Merlin. Dit Monsieur le Grand en riant. C'est bien agréable que tout soit gelé, n'est-ce pas? Merlin n'est pas de cet avis. Il a trop de mal à se tenir sur ses pattes pour apprécier la glace, surtout que tout le monde a l'air de mieux savoir patiner que lui. Attention devant! Sauf Monsieur Moreau. Je suis bien content que tu te sois trouvé sur mon chemin. Sinon, je n'aurais jamais pu m'arrêter. Merlin, quelle bonne surprise! Oh, j'ai eu envie de patiner, moi aussi. Ah, bonjour. Je suppose que tu es Kiwi, la petite chienne de Mademoiselle Roseau. Oui, c'est ça. Tu viens, Merlin? On va patiner ensemble? Oh. Oh là là, tu n'es pas très fort, n'est-ce pas? C'est que je manque un peu d'entraînement. Suis-moi, je vais te montrer. Tu glisses sur une patte de devant et ensuite sur l'autre. Bonjour, bonjour la belle. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Ronronne Oscar. Je m'appelle Kiwi. Excuse-moi Oscar, mais je te signale que je patine avec elle. C'était avant, maintenant je patine avec Kiwi. Rien ne t'empêche d'aller voir ailleurs et de faire un bonhomme de neige. Il comprend vite. Alors, où en étions-nous? Tu ne vas tout de même pas laisser Oscar te malmener comme ça, dit Mousse en gloussant. Oh, c'est pas juste, se dit Merlin en soupirant. Je croyais que faire du patin, c'était plutôt facile, mais je n'arrive pas à en faire et cet horrible chat en profite pour patiner avec Kiwi. Voyons, au lieu de te plaindre, tu dois réagir. Tu dois retourner sur la glace et montrer à Oscar qui commande. Mais il sait beaucoup mieux patiner que moi. Si seulement je patinais comme un champion, je lui en remontrerais. Excusez-moi, mais Mousse vient de me dire que qu'il y a un tas de poissons frais là-bas. Oh, vraiment? Le patinage m'a drôlement ouvert l'appétit. Alors j'ai de la chance. Maintenant, nous pouvons y aller, je suis prêt. J'ai bien aimé patiner avec toi. Dire que j'ai cru que tu n'étais pas très douée. Oh, ben c'est toujours plus facile quand on a une bonne partenaire. Est-ce que tu veux qu'on recommence? Oh oui, bien sûr, avec joie. Je crois que je n'ai pas intérêt à faire de vieux os ici. Si seulement je pouvais me retrouver dans ma niche et qu'il n'y ait plus ni neige ni glace. Il suffit que Merlin prononce les mots magiques. Pouh, heureusement que je suis partie à temps. Oh, Merlin, regarde, j'ai glacé ce gâteau moi-même. En veux-tu un morceau? Oh oui, le glaçage, le sucre glace, j'adore. Quant à la glace, je la laisse à Oscar.